Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crusader Kings 3 RP avec la dynastie Mali! Dans le dernier épisode, nous nous étions attaqués à la corne de l'Afrique. On avait pris cette chose-là, qui était à pas elle, c'était quelqu'un d'autre qui avait sur le... sur d'autres terres, mais du coup on a dû attaquer cette personne et nous sommes en trêve avec. Tout à fait. Donc après que la trêve sera terminée, bien sûr... On s'attaquera pour le duché, hein, tout simplement. On s'occupera aussi de Zahirid, mais il me semble qu'on est en trêve aussi avec eux. Non. Donc on va pouvoir s'occuper de Zahirid aussi. Et descendre à Yelimide, hein, bon, qui est quand même une sacrée nation. Mais ça fait, voilà, ça fait tout le duché. Donc on va pouvoir prendre tout un duché aussi. Pareil pour Adjuran. Bon, on sera bloqué avec la trêve, mais... On est adjacent à Saint-Malo, donc on va pouvoir s'occuper de Saint-Malo, et c'est un duché aussi. On serait bien, on entourera l'Arabie. Et puis le reste pour Blemnia aussi, hein. D'ailleurs on est entré avec Blemnia ou pas. Pas du tout. Donc on va pouvoir continuer sur Blemnia si on a une revendication. Guerre sainte pour le duché, oui c'est vrai qu'on pouvait voir pour les guerres saintes pour le duché, mais le problème c'était... Voilà, que l'Arabie allait rejoindre. Si on fait ça... mais l'Arabie, tant qu'à faire si on attaque l'Arabie, ben, on comprenne quelque chose, genre, hein, voilà, le sultanat de Damo, par exemple, un royaume. C'est compliqué, quoi. Faudrait peut-être créer, si on arrive à le faire, créer l'Empire d'Abyssinie, et potentiellement qu'on pourrait récupérer toutes les terres de Jure. Et ça, je viens d'y penser. Du coup... Il restera ça à prendre pour l'Arabie, et c'est tout. Si on arrive à prendre l'Empire et tout le reste. Donc oui, c'est possible, ça va être compliqué, je pense. Mais ça va aller. Oui, on avait déclaré la guerre à Navarre pour pouvoir prendre le duché de Tabatide. Le dernier duché à prendre au nord pour être tranquille avec Navarre. Et nous étions en guerre avec eux, on était à 44 000. On avait appelé nos alliés, il me semble. Oui, donc on est à 85 000 contre 53 000. On était en train d'attendre nos alliés. Je m'en rappelle. Donc c'est ce qu'on va faire. Des petites lésions... non. Ah, pas des lésions. Des liaisons, voilà. Tout va bien se passer. Ils sont pas assez puissants. Tant qu'ils sont pas assez puissants, qu'est-ce qui est assez puissant ici? Aucun. Ok. Bon, nos alliés, toi. Tu es en route, t'en as pour longtemps quand même. Ok, je vois pas. Oui, bon, si je comprends. Toi. Va prendre la mer aussi. Ok, bon, on va attendre quelques temps avant qu'ils arrivent. Donc on n'est pas prêt de les rencontrer. Et eux tout seuls, ils sont 44 000. Nous, on est 43 000. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose tout seul. 22, 33, 34, 35, ça fait 36. Ils sont pas tous là. 12, 24... 6. Ouais, c'est bien. J'ai bien compté. Les alliés ne sont pas encore là. Alors, c'est peut-être le... Ils sont 36 contre 43 000. Est-ce qu'on attend les alliés ou pas? On va attendre le retard des troupes. On va se rallier ici. À 8 000 en plus. Ouais, bon, là, on se calme. Là, on attend les alliés. On a l'argent. Est-ce qu'ils ont l'argent aussi? Oui. Par contre, ils en perdent beaucoup par mois. Donc, il y a moyen que ça pique pour eux. Ok, revendication sur le trône. Bon courage à lui. Disons que je pense que ça va aller. Où sont-ils? Où ça? Que fais-je? Oui. Bien sûr.
Puisqu'ils sont musulmans, donc on peut pas les attaquer avec un casus belli de conquête ou tout ça, tout ça. Allez, ça arrive. Oh là. Ok. On va peut-être pouvoir... Tu ne fais pas les cons comme ça, par exemple. J'espère qu'ils viennent pas vers nous pendant qu'on se rallie. Ça a l'air d'aller pour l'instant, on y croit. Accusation de sorcellerie, il fait de la sorcellerie. Le brûler pour ses crimes, non. Fais des enfants, on va aller du coup dans la... On n'en avait pas avare, donc on va prendre avare. Voilà, parfait. Concentrer sur la richesse, c'est ça qu'on veut. Ok, ils sont tous là. Ils ont l'air de partir. C'est toi qui as fait une revendication sur l'Empire. Ok. Bah, j'ai envie de dire bonne chance à lui. Et ça lui fait plaisir. L'adultère, c'est pas grave. On va vite reprendre ce qu'il nous a pris. Et puis on va se diriger là, comme ça, dès qu'on aura le château, on pourra prendre les deux autres là. Et s'il doit nous attaquer, c'est en passant le détroit, donc avec un malus. Ou alors en prenant le bateau, et c'est pire. Pire pour lui. Oh, ça a été rapide apparemment. Oui, de toute façon, oui, quand il n'y a plus de garnison... Très bien. Direct aller là-bas. On a ce qu'il faut pour l'approvisionnement, donc c'est très bien. Est-ce qu'il est en guerre? Oui. Révolte paysanne. 1417. Ah, il a déplacé toutes ses troupes pour ça. D'accord. Ok, notre allié est arrivé. Du mauvais côté. Tu es arrivé d'ailleurs. Hein. Je viens de te le dire. On va déjà prendre la cible de guerre. C'est-à-dire tout le duché. Comme ça, au moins, on sera prêt. Toi, t'as l'air d'être gratuit, on va s'occuper de toi. Ok, on a la cible de guerre. Oh, très bien, l'allié s'en occupe. On va attendre ici, gentiment. Ouf, là par contre, il est en train de prendre la mer, je crois. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Broche Siwa. Non! On y est dans 24 jours. Ok, c'est bon. Ils vont avoir le malus encore. 24 jours. Le jeu galère ou c'est moi? Le jeu galère. Parfait, malus de débarquement. Regardez-moi cet avantage. Le sublime. Oh là là, cette violence. 12 000 morts contre 1300 chez nous. N'est-ce pas sublime? Écoutez, on continue, hein. C'est bon, c'est gagné, là. Encore l'approvisionnement. Les bombardes font très très bien leur taf. Bon, ça va très bien se passer, au final. Hein. J'avais un peu peur, mais ça va. Faction pour l'indépendant. Toujours les mêmes, je suppose. Oui. Tu la quitteras jamais, toi. N'y enlige pas de jure. Ouais. On te donne un cadeau, par exemple. Je l'ai déjà fait. Toi, 72, si on te donne un cadeau. Bah, 61, ok. Toi, 134. On l'a déjà fait. 324, tu vas jamais partir. 400, tu vas jamais partir. Et toi... Ok. Aucun veut la quitter, c'est pas grave, on appellera les alliés, après la guerre on s'occupera d'eux, on leur enlèvera leur titre. Est-ce qu'on peut? Bien sûr. Ils l'ont cherché. Ils vont avoir les problèmes, tant pis pour eux.
Et le chef de faction, ça sera toi. Du Sahara encore. Y arriver. Ouattassi, on se fera le plaisir de prendre la mer et d'arriver vers ta capitale le plus vite possible. Mon vassal se promène dans le bazar en ricanant et en regardant les nuages. Ok. Et du coup, la punition habituelle pour un tel comportement consiste à, en une arrestation de plusieurs coups de fouet. Non. Non, on ne fera pas ça. J'arrive dans 24 jours et toi dans 17 jours. Ok, on aura plus le malus, mais par contre, oui, il y a clairement moins de troupes maintenant. Mon percepteur d'impôts qui a un peu de mal, et ben on va bosser ensemble. Très bien. Aïe aïe aïe, rip le jeu. Ça devrait bien se passer, hein. On est chez nous en plus. Ah non, non, ils sont chez eux. Oui, ça va. Il y a les 20 000 qui arrivent après, mais nos alliés aussi. La reine de Taert, bienvenue. T'es pas dans la faction, toi? Si. C'est quoi le but, alors? Oui, ça, c'est une logique un peu... une logique un peu chelou. Je te rends hommage... Mais je suis quand même dans la faction pour l'indépendance, donc pour que tu ne sois plus Monseigneur Lige. C'est très très con. Voilà pour moi. Bah oui, je suis ton... Ça implique le rôle de tuteur. En fait. C'est là que ça fonctionne. 54. Ok, on arrivera à temps. C'est parfait. Ouais, fuis. Ok, ça c'est... On appelle ça un massacre, tout à fait. Je vais reprendre la mer, fais-toi plaise. C'est juste nickel pour nous. Hop, on part dans la construction. Venir chez moi, vas-y. Gardez-moi cet avantage. Cette violence, ça qu'on aime. Un cadeau, toi? J'ai dû envoyer à tout le monde. 56, tu veux pas un cadeau, toi? Tu as fait. Bon. Ben, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Il y aura révolte, c'est pas grave. On a nos alliés et au pire, on a aussi les hommes d'armes. Hein. Ne l'oublions pas. Et elle s'est maquillée. Ah non, ok, oui. Lubrique. Et c'est la vive, bon sang. Tamasna. Ok, ils sont partis prendre ça, d'accord. On va aller le reprendre. Oui. Non. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est appeler les alliés. Vainqueur d'indépendance et notre autre allié. Comment ça, non? On n'est plus allié? Pourquoi? La foi, et on est en guerre. Ok. Bon. Après, 9000, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais on y arrivera.
Y a pas de doute. Tu vas perdre tes troupes, mais... Ah oui, bah maintenant, oui, du coup. C'est pas grave, on s'occupe de Navarre en priorité. On n'est pas loin de la victoire, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. La fille qui se fait draguer, pourquoi pas. Ok, on n'aura pas le malus de franchissement de Détroit, parfait. Et lui, il est endetté déjà? Oh, sublime. Peut-être la dernière bataille, du coup. Pas du tout. Eh bien, on va prendre ça. Faites-moi très bien, pose-moi comme conseil. Un chancelier, eh ben écoute, ce sera... toi. Action dangereuse pour mettre quelqu'un sur l'Égypte. Alors celle-là, par contre, on va tenter... Bah toi, tu vas la quitter. Bon, toi, t'es mon rival, donc forcément. Toi. On va éviter de se manger une autre révolte sur les bras. Toi, tu vas partir. Toi, tu vas partir. Normalement, ça devrait être bon si les trois la partent. Ou pas. Allez, prenez les cadeaux. Ami avec la reine d'Adjouran. C'est celle que je veux... Je vais attaquer, donc je suis pas sûr que faire une amitié avec cette femme soit... Bien, donc... Donc non, jamais. Jamais. Ok. Bon, pas de caméra aujourd'hui, pas de live. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas ma tronche. Ok. Ça, c'est à nous. C'est au royaume de rien du tout. Et bah, tu sais quoi, j'allais dire Taert, mais non. On verra après. Qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est bon, on a pris ça. Navarre des eaux. Hein, on s'occupe plus de toi. Faudrait se diriger là. C'est possible de passer par la mer, de descendre comme ça jusqu'à ici. Et il est chez lui en plus. Attendez. Prends le bateau, ça coûterait combien? 252, on peut clairement le faire. Tu vas venir là. De toute façon, la capitale, elle est sûre. Pas de soucis. Percepteur d'impôts. Pourquoi oui? Alors, on n'en a pas d'autres. Et bien voilà. Voilà que le problème est réglé. La maladie, c'est pas chez nous. Ok, toute l'armée ici, mais... Mais non. Mais non, du coup. Session est sûre, ben je n'en doute pas. Le Fama Tunka est prêt à trouver n'importe quel prétexte pour appuyer la revendication du Fama Kambin sur le royaume d'Égypte. C'est vrai que ça... Ouais, niveau or. Lui donner de la thune pour qu'il... Ce serait combien? Ce serait 900. Où tu pars? Où tu pars? Où tu pars aussi? Y arriver. Pourquoi on obtient du stress là? Appliquer. Humble. Et rien du tout. Eh ben écoutez, je vais le convaincre et puis on verra. Ok, bah tant pis pour toi. Mais en tout cas, j'ai payé ses sbires, donc normalement, ça devrait bien se passer. Mouvement mental. Allons courir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire, je ne sais plus, mais oui, là-bas. Normalement, ils partent, hein. En négatif, donc ils sont tous en train de partir. Voilà. Ouais.
On t'a envoyé un cadeau aussi. De toute façon, tant que c'est moins de 900, on n'aura rien perdu. Et il y aura tout en moins. Ok, bon, on va peut-être se manger la révolte. Mais c'est pas non plus extrêmement grave. Alors, toi, tu vas venir là-bas. Ou ici. Voilà, on va récupérer un peu d'approvisionnement et puis on va foncer dans le désert pour aller prendre sa capitale. Sauf s'il vient ici, hein, bien sûr. N'a pas l'air d'être le cas. Bienvenue. Oui, ne viens pas ici si je veux récupérer de l'approvisionnement, s'il te plaît. Voilà, sois intelligent. Si on a 20 par mois, on va attendre un petit mois. 98, 79, on va encore attendre un mois. Direction. Là. Faut vite qu'on se dépêche parce que leur score de guerre, il avance à une vitesse. Pourtant, ils ont pris deux châteaux. 14 pour Tanger. Ouais. Allez, on y croit. Il y en a pour combien de temps? 30 jours. Les bombardes arrivent. Ombre sur Tanger. Ah! Appelez un médecin. C'est où? Ça, c'est un truc qui va piquer, ça. Rip de Mundir. Apocalyptique, ouais. On sait pas chez nous, techniquement. Enfin, c'est dans notre pays, mais c'est pas là-bas. Donc, on ne risque rien. Mais on va demander au médecin de faire une approche légère. Il y aura sûrement pas mal de morts. Écoutez, c'est la vie. Très bien. Elle a fait son taf. Des contrats qui reviennent à la normale par-ci par-là. Allez, le jeu. Est-ce qu'on perdrait 1800 pertes? Il y a des chances qu'on le capture, hein. Ouais, il est pas au combat, donc faut vite se dépêcher. Que la capitale, sa capitale, ça va piquer. C'est 10 par mois, on peut peut-être remplacer quelqu'un par quelqu'un qui sait mieux gérer le ravitaillement. Ouais. Quoi? On va te mettre temporairement pour l'approvisionnement. Mais en combat, on changera. Il m'a fait un cadeau, mon rival. Ouais, je vais m'en débarrasser, ouais. Puis ça fait de l'argent en plus. Et un rival qui fait un cadeau, c'est jamais bon. En espérant qu'on le capture, comme ça on termine ça vite fait, et puis on s'occupera de l'autre faction après. Ah, ça nous fait perdre notre temps un petit peu pour nos conquêtes, mais bon. Il nous saoule avec les maladies. Et on voyait des théologiens. D'accord, pas convaincu, on a dépensé 900 pour rien. C'est super. Bien, continuons.
Alors que je... Ouais. Voilà, récupérer de l'approvisionnement là, ça commence à piquer. Là, on ne l'a pas capturé. En deux, je pense qu'ils veulent un combat. Hein. On va leur en donner un. Ouais, d'accord. On va se séparer ici. Quoi? Et alors? Superstition, mais qui se débrouille? Ils sont deux là-bas. En train de faire n'importe quoi. Bah arrêtez-les. Hein. Je ne peux rien y faire. Là, je perds plus de stress là, donc je ne peux rien y faire. Trop de troupes. Ils sont combien? 37 000. J'ai mes alliés. En vrai, je pourrais peut-être enlever... Là. Grand roi Joshi est mort, louons-la, bien que le grand roi Aki ait pris sa place, il ne peut certainement pas être aussi terrifiant que lui. Peut-être est-ce même la fin de l'agression mongole? Oui, je pense, hein. De toute façon, on les a arrêtés. On a tué Genghis Khan, hein, bien sûr. Pas de... Je ne me fais pas de soucis. Aussi l'approvisionnement, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien pouvoir faire? Non, on retourne au nord au pire. Hein. Allez. Et ouais, plus d'approvisionnement. C'est horrible, l'approvisionnement, c'est quelque chose. Hein. Allez, suivez-moi s'il vous plaît, soyez pas des débiles. S'il vous plaît, j'ai dit. J'ai mes frères qui me donnent de la thune. Merci, j'en ai besoin, c'est la guerre. Négocier une alliance. Avec le roi de Nubie. De Nubie, non. Qu'est-ce que j'en dépense pour les épidémies alors que... Y a vraiment rien, quoi. Y a ça. Voilà. Alors oui, il y a des morts, il y a 100 morts, mais dépenser autant pour ça. Ça devrait être un peu plus, un peu différent. Les événements des épidémies, c'est pas... C'est même un peu saoulant à force. Voilà, je peux plus donner d'argent. Alors... Mes alliés sont partis. C'est pas grave. On va être en négatif à cause de ça. À cause de la maladie. Ça devait arriver. Eh ben écoutez, on va rançonner ce qu'on peut rançonner. C'est-à-dire... Rien. 30, waouh! Super! Alors que je profite du dîner et d'un verre plein de sorbet à la violette, je ressens soudain une sensation curieuse dans ma gorge. Il ne faut pas longtemps avant que je ne m'agrippe à mon cou pour essayer de respirer, de crier, de faire passer de l'air dans ma gorge gonflée et en sang. Alors que ma conscience faiblit, je vois qu'il y a du sang et de la peau sous mes ongles. Je vais devoir les laver, c'est vraiment inconvenant. L'empereur Jacaba II de Mali a abandonné ce monde transitoire et s'est envolé vers le paradis à l'âge de 41 ans. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. Chasseur passionné, il aimait passer des semaines entières dans la nature à la recherche du gibier le plus insaisissable. L'empereur Mahmoud monte sur le trône, fidèle en mariage et à sa famille. Il place le bien dans sa dynastie au-dessus de ses préoccupations personnelles.
On vient à l'empereur, qu'est-ce qu'on a perdu? Aïe aïe aïe. La succession s'est mal passée, hein, ça. Pourtant, c'était de l'électif. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit autant le bordel comme ça? Au moins, on n'est plus en guerre. Par contre, on n'a plus la même, même argent, ça, c'est sûr. On a perdu. Putain, même le royaume d'Égypte a été donné à mon neveu. Mais pourquoi? Tout s'est fait. J'ai l'impression que tout s'est fait en. Comment on appelle ça? Non, pas en élection, mais en. Vous avez compris quoi. Voilà, je vais dire ça parce que. En partition confédérée. Mais pourquoi? Loi de succession du pays, partition confédérée? Mais j'ai. Non. Bon, eh bien écoutez, nous sommes l'empereur Mahmoud l'irascible du Mali. On est colérique, ok, très bien. On est juste zélé, chaste, guerrier mal avisé, pas ouf. Herboriste, commandant polyvalent, on est irritable. Ok. Quelqu'un d'assez énervable facilement. Bon, déjà, on ne peut pas assassiner nos frères. Parce qu'on est juste. Donc déjà, on oublie cette solution. On a gardé ce qu'il y avait là, donc c'est bien. Par contre, il va falloir reprendre. Il va reprendre tout ça. On pourrait commencer par la Guinée. Oui, on n'a plus rien. Oh là là. Bah écoutez, compétences, oui, mais je vois pas c'est en quoi. Ah, c'est ouais, en fonction de tout. Toi, t'as l'air bien, t'es ambitieux, impatient, juste. T'es mon chevalier, écoute, bienvenue. En martialité, on va aller sûrement sur l'autorité, parce qu'on en a besoin, là. Succession sur l'Empire du Mali. Eh ben, en sachant qu'on n'a pas de fils, on va mettre ça sur notre... sur lui. Et le reste, on verra. Conseiller, on a tous ces gens-là. Toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Si je conseille, les Ibadis sont hostiles. Ouais, tu n'es pas du tout de ma... de ma foi, ok. Il est bon en chevalerie, il y a toi. Mais tu es bon aussi en maître espion. Ah oui, mais je vais sûrement pas te mettre toi en maître espion. Donc tu seras diplomate. Tu seras chancelier. En maître espion, on aura... quoi? M'énerve bien. En maréchal, on aura toi. Et en intendant, malheureusement, bah, toi, je vais pas te mettre sur en tant qu'intendant. Tu es mauvais. Ce sera mon chevalier. Ou un vassal? Deux heures d'heure aussi. Parano social appliqué. Diable. Il y aura, je pense qu'il fera du meilleur boulot. Et ça, le royaume d'Égypte qui a été donné à mon neveu, ça n'a aucun sens. J'ai une revendication sur le royaume d'Égypte? Oui. Ah, j'ai même pas d'autorité de la couronne. Et je peux même pas le faire, j'ai pas... j'ai rien du tout. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, c'est avec ce bordel qu'on va se laisser ici dans cet épisode.
tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et ben, ça ralentit encore notre progression, hein, toutes ces problèmes-là. On s'est fait assassiner. On s'est fait assassiner. Et mort de vieillesse. 54. Ah oui, non, c'était pas lui. Jacobado. Ouais. S'est fait assassiner. Bah, je pensais pas parce que tout allait bien. On a eu aucun. Je sais, c'est qui l'a assassiné. Attendez. C'est son rival. Il lui a offert un tapis. Rappelez-vous que j'ai refusé. C'est lui, c'est sûr. Bon, en tout cas, bah dans le prochain épisode, on va récupérer tout ça. Hein. Déjà, on va récupérer l'Empire de Guinée, qui a seulement 12 000, non, on a 18 000. Il y a moyen de faire quelque chose. Et puis, Kanem-Bornou, par contre, ils sont bien, hein, ça. Ils sont bien, par contre, ouais, il va se manger des révoltes, ça. Il n'y a pas de doute. On pourra que récupérer le Maghreb pour l'instant, en plus. Ah non, on peut faire les deux, ok. Bon, très bien. Et ben, on fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à passer dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube où je poste des sondages. Et n'hésitez pas à passer en live sur la chaîne Victor, V-I-Q-E-T-A-U-R-E-E. Ça me ferait très plaisir, bien sûr. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine.